jusqu'à 10 000 francs, soit 15 000 francs avec l'aide de l'État. Chez Citroën, les prix sont vraiment au plus bas, Pierre. Moi aussi, Sophie. Moi aussi. En mars, chez Citroën, les prix du diesel sont au plus bas. Carte d'or nous étonne encore et encore. Ses crèmes glacées, ses sorbets sertis de morceaux de fruits. Carte d'or, on cède à la magie d'un goût pur et intense. Carte d'or, des saveurs intenses, c'est toute la différence. Microfacile, c'est une collection de livrets de disquettes pour bien utiliser son micro-ordinateur. Pour notre avenir professionnel, c'est indispensable. Cette semaine, la première disquette de la Microfacile et son livret, 9,50 francs avec le numéro 2 gratuit. Les éditions Atlas, c'est génial. Ma mère, il serait temps de changer de voiture. Notre pot d'échappement donne des signes de faiblesse. L'éternité n'est pas de ce monde. Chez Feu Vert, nous sommes toujours là pour changer ou réparer tout ce qui s'use sur votre auto. Vous avez entendu ce qu'il vient de vous dire. Roulez en paix. Feu Vert, longue vie à votre auto. C'est dans des caves naturelles, uniques au monde. Ah oui, naturelles. C'est de là qu'ils viennent, le goût. Que s'affine le Roquefort Société. Lentement, très lentement. Pour qu'il soit bien onctueux, il faut ça. Société, le Roquefort des maîtres affineurs. La laque cadenette aux protéines naturelles de soie vous offre 20 secondes de parfaite tenue en souplesse. Maintien et brillance. Maintien et soyeux du cheveu. La cadenette aux protéines naturelles de soie, le maintien en souplesse. Il y a un âge où l'on a envie d'accomplir de grandes choses. C'est l'âge où l'on a le plus besoin de Kinder Country. Kinder Country, c'est toute la richesse des céréales et du lait dans une barre enrobée de chocolat. Kinder Country, ça vous grandit. Mon savon 2 en 1, c'est à la fois un gel douche et un lait hydratant longue durée. Il nettoie la peau et la protège de la déshydratation. C'est comme si j'avais utilisé un lait corporel. Avec mon savon 2 en 1, 18 heures après ma douche, ma peau reste douce, éclatante de santé. Mon savon, pour une peau qui respire la santé. Vapeur à la demande. Pour nettoyer les carrelages. Vous ne saviez pas que Roventa maîtrisait la vapeur? Pour raviver les moquettes. Détartrer. Dégraisser. Vous ne saviez pas que la vapeur nettoyait tout. Steam Up de Roventa. Roventa, pour tous les jours et surtout pour des années. Chose qui se passe. Derrière les murs de cet orphelinat doit rester derrière les murs de cet orphelinat. C'est une règle plus sacrée que toute autre règle qu'il vous sera donné d'entendre. Qu'est-ce que tu as? Il t'a embêté encore? Vous ne me touchez pas. Hey! S'il vous plaît, non! N'est pas là-bas, monsieur. Je vous en prie. T'as pas d'autre endroit où aller, mon gars. Ça fait longtemps que ça dure, ce genre de choses. Ce livre que je t'ai donné, Kevin, tu as fini de lire?
Pas encore, frère Mac, mais presque. Est-ce que tu as lu, ça t'a plu? Ah oui, ça m'a très plu. Beaucoup, Kevin, beaucoup. Ça m'a beaucoup plu, pas très plu. Dites, quand nous, on va à confesse, est-ce que vous autres... Mmh. Enfin, je voudrais savoir, est-ce que vous, vous vous confessez aussi? Mais bien sûr, mon garçon. Nous confessons nos péchés, nous prions le Seigneur de nous pardonner. Et nous disons le « Je vous salue, Marie », comme tout le monde. Tiens, 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 qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui vient m'aider? Approche, approche, mon petit, tu sers à rien là-bas. Viens plutôt me tenir cette clé. Bah, allez, viens. Je demande pourquoi on m'a fait venir ici, puisqu'il y a déjà quelqu'un pour faire le travail. Mais comme on est là tous les deux, on va le faire ensemble. Tiens. Hop, là-dessus. C'est assez grand comme ça? Bon. Alors, tiens-la bien. La laisse pas glisser, surtout. Et qu'est-ce que tu fais tout seul ici? Comment tu t'appelles, au fait? Kevin. Kevin Rivet. Ouais, et... Et quoi? Alors, qu'est-ce que tu fais là, tout seul, ici? Rien. Rien. Rien à faire, c'est pas grand-chose. Et t'as pas peur dans le noir? Non, je suis très bien ici. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va comme ça? Oui, je crois. Merci, monsieur. Tu viens souvent ici? Dès qu'oncle Jim fit le premier pas sur le pont, il se figea sur place en voyant la lumière avancer vers lui. Elle était comme suspendue dans les airs. Et puis, la lumière se précipita sur lui, et oncle Jim, ce même oncle Jim qui n'avait peur de personne, eut si peur qu'il s'enfuit à toutes jambes du pont et courut se réfugier en dessous. Et puis, la lumière s'en alla. Tous ensemble, dites-moi ce qui a protégé l'oncle Jim cette nuit-là, sous le pont. Son rosaire. Et c'est ça, il a récité le rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien. Moi? Allez, c'est l'heure. Extinction des feux. Tout le monde en pyjama. Une minute, frère Glaquine. Il n'y a pas de feu. Vite, c'est prière, vite, on range les jouets là-dedans. Hop là. Allez, on se dépêche. Voilà, voilà. Allez. C'est bête, je gagnais. Deux minutes de plus et j'avais gagné. Je vais aux toilettes. On ne va plus aux toilettes, ça doit être fait maintenant. Oh là là. On se dépêche, on met son pyjama, on s'agenouille et on fait ses prières. Kevin? Frère Lavine veut que tu ailles le voir dans son bureau. Mais je suis très fatiguée, moi. Et je suis prêt à me mettre dans mon lit. Ça peut pas attendre demain matin. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit que frère Lavine voulait que tu ailles le voir demain matin? C'est ça que j'ai dit? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que j'ai dit, hein? Alors va maintenant. Ah, voilà. Tu t'es nettoyé les oreilles? Hmm? Bonjour, mes enfants. Présentez Pat. Bien. 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 Si tu les laves, ça ne t'arrivera plus. Bien. 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 Fais voir. Bien. Bien. C'est bien. Bien. Cette chemise est sale, va en chercher une autre. Bien. Ton bouton, bien, bien. C'est bien. Alors toi, dis-moi un peu. Est-ce que ta cervelle de moineau fonctionne assez ce matin pour que tu te rappelles comment mettre un pied devant l'autre? Je sais pas, frère Lavine, je vais voir. Et voilà. Essaie non transformé dans le rang.
Rentre-moi cette chemise. Bien. Bien. Allez, en route. Et pour l'amour du ciel, surveillez votre langage dehors. N'oubliez pas que c'est la réputation de Saint-Vincent qui est en jeu. Allez-y. Vous avez des habits à donner, madame? On fait la collecte des habits pour Saint-Vincent. Attends un peu, mon petit. Je vais voir ce que j'ai. T'as vu ça? Où tu l'as eu? Je l'ai fait moi-même. Kevin, faut apprendre à se débrouiller tout seul dans ce monde pourri. Regarde. Tenez, voilà, mes chéris. Merci. Merci, madame. J'allais oublier. Vous n'auriez pas un peu de monnaie pour la dame de Noël? Eh bien, je pense que je vais vous trouver quelques pièces pour ça. Attendez une minute. Tenez, ça ira comme ça, les petits. C'est formidable, madame. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, petit. Je voudrais bien que mes enfants à moi soient aussi polis que vous. Merci encore, madame. Faut qu'on y aille. Au revoir. T'as vu ça, Kevin? Elle nous a donné beaucoup. Oui. Dis donc, quand tu vas te confesser, tu vas le raconter, ça? Pas question. Faut jamais rien raconter au curé, mon fils. On peut pas leur faire confiance. Pour les dames, ça, pour les messieurs. Ouais, de la boxe. On boxe. Je te bats, moi. Je te bats quand je veux, moi. Ouais. Allez, on tu verras que je te bats. Allez, qui veut m'affronter? Allez, allons-y. Un peu de courage, Kyo. Étale sur ton grand frère, Steven. Vas-y. Allez, 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 allez. Comme ça, allez, vas-y. Steven, tu voudrais pas tabasser ton grand frère quand même? Allez, viens, allez, va-t'en, c'est bon. Kevin, il faut que tu ailles voir le frère Lavin dans son bureau, tout de suite. Maintenant? Hey, hop, allez, 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 hop, hop, allez, hop, allez, 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 allez. Monsieur, je vous en prie. T'as pas d'autre endroit où aller, mon gars. Maintenant.
Kevin, tu veux attendre dans le bureau, s'il te plaît? Enlève ta casquette. Merci infiniment d'avoir ramené cet enfant et d'avoir évité qu'il passe la nuit dehors. Je peux vous dire qu'il n'avait pas envie de revenir, Frère Lavine. Il a faim de ses refus. Je le crois. S'il y a une chose que tous ces jeunes ont en commun, c'est un insatiable besoin d'attention. Bonsoir. Bonne nuit. Ici. Pour commencer, enlève ton blouson. Viens ici. Viens ici. C'est pas grave, Kevin. Tu es rentré à la maison, mon petit. Maman t'aime. Est morte et elle le sera toujours. Quoi? Vous n'êtes pas ma mère. Ma mère. Quoi? Vous n'êtes pas ma mère. Si tu choisis de te conduire comme les autres garçons, tu seras puni comme les autres garçons. J'ai pas dit tout le monde debout. Quand je dis tout le monde debout, c'est tout le monde debout. Tout le monde. Remuez un petit peu vos carcasses, allez. Debout, tout le monde debout, et hop. Hop, hop, hop. Vite, vite. Le soleil est levé depuis des heures. Allez, toi, debout, j'ai dit debout. Allons-y.
Remue ta carcasse. Plus vite que ça. Allez, 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 allez. Vite, 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 vite. Oh là là. Allez, allez, on se dépêche. J'ai dit, on se dépêche. Ça ne fait rien, Kevin. Reste couché pour aujourd'hui. Dépêchez-vous, vite, 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 allez vous laver les dents, vite, allez. Allez, allez, vite, vite. Qui a fait le monde? Dieu. Qui est Dieu? Le Créateur et le Seigneur Tout-Puissant du ciel et de la terre et de toutes choses. Combien de dieux y a-t-il? Il n'y a qu'un seul Dieu qui récompensera les bons et punira les méchants. Où est Dieu? Dieu est partout, mais on dit que Dieu est particulièrement dans le ciel avec ses anges et ses saints. Vous pouvez faire mieux que ça, les enfants. Où est Dieu? Dieu est partout, mais on dit que Dieu est particulièrement dans le ciel avec ses anges et ses saints. Très bien, très très bien. Voyons maintenant, Jimmy. Oui. Qu'est-ce que le ciel? Le royaume de la gloire de Dieu et de ses anges et de ses saints. Très bien, très bien. Kevin, mange. Il faut manger. Il faut reprendre des forces. Cache bien ça sous ta couverture. Faut que je descende. À tout à l'heure. Comment ça va, Mike? Ça va et toi, champion? Moi, ça va et ça ira encore mieux si vous dites à personne que vous m'avez vu. Rien ne me fera parler, mon gars. Je suis jamais venu ici. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait m'arracher les ongles que je dirais rien. Croix de bois, croix de fer. Ça te va? Merci, Mike. Allez, allez. Faut que j'aille. Ouais. T'es pas bien, Kevin? T'es malade ou quoi? Ben, réponds, dis quelque chose au moins. Qu'est-ce qui va pas? S'il te plaît, Kevin, fais-moi un beau sourire. Hein? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vous avoue, frère Lavigne, il a pas l'air bien. Un jour de repos, c'est tout ce qu'il faut à Kevin, monsieur Finn. Enfin, frère Lavigne, vous l'avez vu? Faudrait lui mettre un peu de glace, je sais pas, moi. Vous devriez monter vous rendre compte vous-même. Je suis sûr que ce petit... Un peu de calme, monsieur Finn. Depuis quand êtes-vous ici? Quelques semaines? Ces garçons sont costauds. Ils récupèrent vite. Ben, j'ai pas de conseils à vous donner, mais ce petit devrait voir un docteur. Je me demande ce qu'il a bien pu faire pour mériter une pareille raclée. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Qui vous a dit que ce petit a été battu? Vous savez que ce petit a été battu? Vous le savez? Êtes-vous médecin? Non, vous êtes concierge. Monsieur Finn, concierge et rien de plus. Alors veuillez aller faire votre travail et laissez-moi faire le mien, ou je vais devoir me trouver un autre concierge. Non, je ne veux pas aller avec vous. Alors, fiston,
Tu vas venir que ça te plaise ou pas. Ici, on fait pas ce qu'il faut pour toi. Alors, quel est le problème, jeune homme? On l'a battu, docteur, c'est ça le problème. Vas-y, Kevin, dis-lui ce qui s'est passé. Il faut que j'examine ce petit. Vous voulez bien attendre dehors, s'il vous plaît? Je suis juste à côté, Kevin, d'accord? Bien, Kevin. Laisse-moi te regarder. Je peux vous être utile? Oui, j'espère. Je suis le frère Lavigne de Saint-Vincent-et-Paris qu'un de nos garçons a été amené ici. Kevin Rivet. Il est avec le docteur dans le couloir, deuxième porte à gauche. Merci. Espèce d'imbécile. Espèce de salopard. Pourquoi vous avez fait ça? Il fallait qu'il voie un docteur. Il fallait qu'il voie un docteur. Vous savez dans quel sale drap vous vous êtes mis? Je pourrais vous faire arrêter pour kidnapping, pauvre imbécile. C'est pas la peine de vous énerver comme ça? C'est pas la peine de vous énerver comme ça. Je m'énerverai si j'ai envie de m'énerver. Et laissez-moi vous dire qu'on ne veut plus de vous à Saint-Vincent, monsieur Finn. Quoi? Renvoyé, espèce de pauvre type. Je ne veux plus vous voir, ça me rend malade. Vous avez apporté le chaos dans notre maison et les petits vous en veulent, ils l'ont dit eux-mêmes. C'est pas vrai, et vous le savez bien. Vous êtes un bon dieu de cinglé, hein. Voilà ce que vous êtes. Hein. Sortez d'ici et tâchez que je vous revoie jamais devant moi ou je vous fais arrêter. Vous avez beau me traiter d'espèce d'imbécile, et vous avez beau me traiter de pauvre type, mais n'empêche que je suis bien certain d'une chose, monsieur. Ces mômes, avec moi, ils ont un ami. Et avec vous, ils ont moins que rien. Vous pouvez le ramener avec vous. Pauvre enfant. Je ne sais pas qui a fait quoi, mais je pense qu'il y a un problème avec quelqu'un chez vous. Il n'a pas dit qui c'était? Non, il n'a rien voulu dire. Peut-être qu'à vous, il voudra bien en dire plus. Mais cet enfant est terrorisé, j'en suis convaincu. Je ne me doutais de rien. Ce doit être un des grands, je suppose. Ils sont parfois très brutaux avec les plus petits. L'infirmière va vous donner des papiers à signer. Je vous amène l'enfant tout de suite. Bien. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Kevin, cette punition, c'était pour que tu apprennes à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Je serai toujours près de toi pour te protéger. Tu comptes particulièrement pour moi. Tu comprends? Allons manger quelque chose, tu veux? Allez, viens. Non, frère Lavigne. Tu vas te lever tôt demain. Il est plus que temps que tu dors.
plaît tard, Stephen. Ferme tes yeux et endors-toi vite. Et fais de beaux rêves. Tu devrais dormir, Stephen. Tu ne devrais pas être réveillé. Qu'est-ce que tu as? Il t'a embêté? Encore? Vous ne me touchez pas! Retourne à ta place, Lonnie, tu connais le règlement. Lonnie, reviens! Reviens ici! Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous regardez? Je regrette, mais il n'y a pas de parking. Ce vicieux de Glaguine a encore embêté mon petit frère. S'il touche encore une fois Stephen, moi je lui casse toutes les dents et je lui enfonce une à une dans le cul. Surveille un peu ton langage, s'il te plaît. Pour gros mots, menace un frère. Irrespect envers Dieu à la messe et Dieu sait quoi encore, 10 coups bien appliqués sur chaque main. Pas de larmes, monsieur Lonnie. Peut-être que la leçon n'est pas suffisante. Tends encore les mains, je te prie. Qui t'a fait ça? Clean, je jure que je vais tuer un de ces salopards un jour. Pose tes mains là, je vais chercher de la glace. Tu vois, le froid, ça va les empêcher d'enfler. T'as du vicieux. Voilà, on va t'envelopper les mains. Comme ça. Tu vas te décider à me dire ce qui se passe ici. Stevie, Glaguine lui court après. Il essayait de faire quelque chose. Regarde ça. Écoute, j'ai été viré parce que j'avais emmené Kevin à l'hôpital. Et maintenant... Je veux savoir... Exactement ce que tu veux dire par le mot vicieux, Brian. Ils sont après nous. Surtout après les plus jeunes. La nuit, quand ils sont au lit, vous savez... Je ne sais pas. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je n'ose pas croire ce que tu essaies de me dire. Je vous mens pas, Mike. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, le responsable ici, c'est qui? Je peux peut-être vous aider. Vous êtes la responsable? Non, mais je peux probablement... Non, vous ne pouvez pas m'aider. Monsieur, si vous dites exactement ce que vous voulez, je peux peut-être vous aider. Écoutez, mademoiselle, il y a bien un gérant, un directeur, enfin je ne sais pas, moi, je me fous de savoir comment ça s'appelle. C'est lui que je veux voir.
Je m'appelle Mac Finn, j'étais concierge à Saint-Vincent. Alors allez et trouvez-moi cet homme tout de suite. Parce que je ne partirai pas avant de lui avoir parlé. Nous devons nous conformer à la procédure pour enquêter la suite d'une plainte, Monsieur Finn. Et je dois dire que ça n'est pas ce que vous faites. Mais de quoi est-ce que vous me parlez? Je viens vous dire qu'ils tabassent ces malheureux enfants à mort et que la nuit dans leur lit, ils viennent leur faire des saloperies. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous pensez mettre un terme à ça. Ainsi que je viens de vous le dire, Monsieur Finn, nous ne pourrons rien faire avant que vous alliez déposer auprès du bureau compétent un formulaire de plainte dûment rempli. Une fois que ce sera fait, le formulaire sera examiné par nos propres services. Alors, il faut que moi, j'aille remplir un formulaire? Et vous, vous n'allez rien faire du tout? Vous, vous n'avez pas à faire irruption ici et à porter des accusations plus ou moins fondées sur des choses dont vous n'avez pas été témoin. Et à vous répandre ignominieusement contre un établissement respectable. Je regrette, mais je dois vous prier de suivre le règlement que nous avons établi pour... Monsieur Finn, où allez-vous? Je peux vous dire où je ne vais pas. Je ne vais pas au bureau compétent pour remplir votre foutu formulaire. Non, monsieur. Alors je lui ai dit, madame, pourquoi est-ce à moi que vous donnez ça? J'ai eu raison, non? Voilà, regardez le nouvel orphelinat de Saint-Vincent. Oui, oui, voyons ça. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est combien cette chose-là va me coûter. Eh bien, monsieur le ministre, les travaux de rénovation ont été évalués à 450 000 $ et la patinoire à 500 000 $. La subvention gouvernementale se monterait donc à environ 1 million de dollars. Ouh. Et c'est tout? Saint-Vincent a toujours eu une des meilleures équipes de hockey de la ville. Et une fois qu'elle aura sa patinoire, elle devrait bien être imbattable. Parmi les bienheureux qui verront devant eux les portes du ciel grandes ouvertes, nous devons compter notre estimé commissaire Kennedy. Oui, un homme sans la moindre tache sur l'âme et sans la moindre goutte d'alcool sur les lèvres. Oui, c'est vrai. C'est lui donc à boire. Mais comment donc? Le commissaire Kennedy est un autre de nos respectables concitoyens qui a fait ses classes chez les frères. Et j'ai encore les bleus qu'il prouve. Allons, allons, mon Dieu. Portons un toast. Je lève mon verre au plan de rénovation du frère Lavigne. Salute, grâce à Dieu. Salute. Salute. Joyeux Noël, vous avez sûrement besoin d'une dinde. Entrez, entrez. Oui, par ici, joyeux Noël à tout le monde. Allez, par ici, tout le monde. 2 pour 5 cents, 4 pour 10 cents, 10 pour 25 cents. Comme ça, voilà, on entre. Voilà, madame. Alors, merci, madame. Voilà, ils sont merci. Tous vendus. Oui, ça y est, presque tous. Il me reste plus que presque, mais ça ne suffit pas, ils sont tous vendus. Je vais la faire tourner. Allons-y. Où va-t-elle s'arrêter? Personne ne le sait. Numéro... Le 1. Le 1, je l'ai. Je l'ai, c'est moi. Ah, merveilleux. Deux pour 25 cents. Ma parole, si c'est pas le putain d'inspecteur Lafouine de la putain de gendarmerie de Terre-Neuve. Hein? Comment va, Mike? Oh, c'est pas la forme. Allez, viens, on va boire un coup. C'est pour ça que tu m'as appelé? Pour boire un coup avec toi? Hein? Écoute, Marty, je sais que t'es pas catholique, mais Jésus, Marie-Joseph, ces salopards de curés sont après les petits et il faut qu'on fasse quelque chose. Église ou pas église, je m'en fous. Dis-moi, t'as été témoin de certains faits? Si j'ai été témoin. Mais j'ai vu ce jeune garçon, on lui a bousillé les mains tellement on l'a battu. Brian Lenny, va donc lui parler, tu verras ce qu'il a à dire, lui. Et le petit que tu as conduit à l'hôpital, Kevin Rivet, quel docteur l'a vu? Oui, il y a ça aussi. Pourquoi le frère Lavigne m'a viré juste pour avoir conduit un gosse à l'hôpital? Le docteur, Mike,
Comment est-ce qu'il s'appelle? Qu'est-ce que j'en sais? Il m'a mis dehors, il me regardait comme si moi j'avais fait quelque chose de mal. Et ensuite, il y a monsieur le tout-puissant fonctionnaire qui veut que je lui remplisse un formulaire. Parce qu'il faut savoir lire et écrire pour voir ce qui est bien ou mal. Mais non, on peut pas montrer ça. On a l'air d'une bande de réfugiés. Ou de prisonniers de guerre. On a les drôles de tête. Je peux vous dire qu'ils se préparent une sacrée fête. Vous vous rendez compte? 100 ans de bonnes heures. Je jure et je promets de protéger toutes les choses vivantes que Dieu a mises sur la terre. Je protégerai les papillons et les fleurs, les enfants riches ou pauvres. Et je protégerai les morpions. Et tout ce que je vois de vivant et non vivant sur terre. Je protégerai les morts, les ossements des morts et les insectes qui se nourrissent de ces morts. Je le jure, et je le jure! Bon, Eddie, tu attends ici. Et si tu vois ou tu entends quelque chose, tu appuies sur cet interrupteur et comme ça on saura. Et surtout, tu surveilles bien. Je sais ce que c'est. Les bouteilles, où sont les bouteilles? Allez, montre-moi. Accroule-toi, Steven. Oh, t'énerve pas, il faut que je les prenne toutes. Vite, vite. Dépêche-toi, vite. Graisse mieux et plus, c'est parce qu'il dissout très rapidement les graisses les plus tenaces. Allô? Réconomie. Mieux et plus, c'est Pec Citron. Tiens, tiens, Zoé et Noisette vous montrent encore à quel point elles préfèrent Whiskas. C'est d'abord son arôme qui les attire. Puis l'envie irrésistible de ces morceaux appétissants. Et surtout le goût des viandes fines qui les met dans un tel état. Vraiment, il n'y a que pour Whiskas qu'elles font ce numéro-là. Les chats aiment qu'on les comprenne. Les chats achèteraient Whiskas. Allons voir les nouvelles climatisations. Aux rencontres Peugeot, série climatisée. 106, 306, 405. Nous allons racheter. Il faut se hâter, car c'est du 16 au 27 mars. Allez, allez! Là, on se fait doubler. Allez, du 16 au 27 mars, on rencontre Peugeot. La 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 la. Salut, qu'est-ce que tu manges? Comment? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est Kinder Bueno. Et c'est bueno. Tu vois ce que je veux dire? Kinder Bueno, c'est fondant, c'est léger, c'est croustillant. Tu vois, c'est... C'est tout vu. Kinder Bueno, c'est Kinder et c'est Bueno. Brooklyn, 1931. À la suite d'un appel anonyme, les inspecteurs investissent un hangar en ville et débusquent un gang qui essaie de copier Coca-Cola. La composition de Coca-Cola est un des secrets les mieux gardés au monde. C'est pourquoi toute fraude est facile à déceler. Ceci est un avertissement. Rien n'a le goût de Coca-Cola. C'est un jour comme les autres pour les inspecteurs et leur nouvelle recrue. Bon, en règle générale, enfin, les savons,
lave, c'est la moindre des choses. Mais après, la peau est toute... les sèches. Le fait de se passer une Dove et d'avoir cette sensation de doux sur la peau... Dove contient un quart de crème hydratante et des agents lavants neutres. Dove ne dessèche pas votre peau comme un savon ordinaire. Cette douceur, cette fraîcheur, un petit peu d'eau fraîche, et puis voilà. J'ai même pas besoin de mettre de crème hydratante, puisqu'en fait la peau reste souple. Bon, bah, c'est impeccable. Dis donc, il a vraiment du goût. C'est superbe. Bonjour, je suis la journaliste qui... Vous avez pris votre petit déjeuner, mademoiselle? Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes, le plaisir simple des pétales de maïs croustillants dorés à point. Kellogg's Cornflakes, tout simplement. Ça flaire les bonnes affaires. Les 10 jours fous chez Cuisine Schmidt, c'est du 16 au 26 mars. Cuisine Schmidt, vous les aimerez aussi pour leur prix. Ce saumon à la crème d'épinards et d'oseille, un délice. Aussi, ça a l'air intéressant. Filet de colin avec une concassée de tomates. Tiens, sens-moi ce parfum de basilic. Moi, je suis ravi avec ma gratinée de poisson. Croustillante, fondante. On peut goûter. Avec ces nouvelles recettes, Findus vous ouvre un nouvel appétit de poisson. Heureusement, il y a Findus. Findus. Grâce à leur système exclusif de séchage, les lave-vaisselle vedettes vous rendent tout ce que vous aimez dans l'état où vous le lui avez donné, juste beaucoup plus éclatant. Lave-vaisselle vedette, vedette mérite votre confiance. Pour vous parler du camembert Le Petit, nous sommes allés dans le village d'origine du camembert. Moi j'aime bien les Le Petit. Le camembert fait la louche, on est sûr que c'est naturel. Le Petit, le grand nom du camembert. Merci. Merci. Voulez-vous dire les grâces, frère McLaverty? Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits, Dieu Tout-Puissant qui vit et règne dans les siècles des siècles par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et pardonne-nous, Seigneur, le mal que nous faisons. Et accorde-nous ta miséricorde sur la voie que nous avons choisie. Ceux qui sont à cette table implorent ton pardon. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez pris sur vous, frère McLaverty, de changer le texte des grâces, ou y a-t-il une ombre noire sur votre âme dont vous souhaitez que nous parlions à table? J'ai simplement divagué. Bon, allez, allons, Lenny, remplis-moi ce verre, petit voleur. Est-ce que tu te crois, mon vieux? À la gardonne partie royale, je t'en verse pour ce que t'as payé. C'est ça, les gars, l'argent dans le sac, le vin dans vos verres. Si vous en voulez encore, vous revenez. Oui, oui, oui. Allez. Et voilà. J'ai rempli le verre de quelqu'un? Alors, les gars, on veut payer notre tournée, allez-y. Allez, on vide ce verre. Alors, un globe n'est rien de plus qu'une boule avec l'image de la Terre dessus. Et maintenant... Sur la photo du globe que vous avez dans vos livres, trouvez la ligne qui passe au centre de la Terre. Tout le monde la voit? Oui. Kevin Rivet, demandez au bureau. Kevin Rivet et demandez au bureau. Kevin Rivet. Allez, Kevin, vas-y. Dépêche-toi. Alors, cette ligne, on l'appelle l'équateur, et elle partage la Terre en deux parties. La moitié supérieure, on l'appelle... Il y a un policier en ce moment. Dans mon bureau. Il veut te parler de ce qui s'est passé à l'hôpital. Tout ce que tu diras à cet homme me sera rapporté. Est-ce que tu comprends?
Kevin Rivet. Brian? Brian? J'aimerais parler avec toi. En privé, s'il te plaît. Vas-y, entre. Que t'a-t-il demandé? Il a dit que la police a besoin de moi pour son enquête et qu'il faut pas que je dise de quoi lui et moi on a parlé. J'ai dit que t'a-t-il demandé et que lui as-tu dit? Il a dit que si jamais quelqu'un me touchait seulement, j'aurais qu'à l'appeler. Vous voulez me toucher? Vous voulez me frapper, hein? C'est ce que vous voulez? Parce que moi, je ne vous dirai rien. Ce qu'on t'a fait est un crime, Kevin. Celui qui a fait ça devrait être en prison. En prison? Oui. Tu vas me dire qui t'a fait ça? Est-ce qu'on t'a battu parce que tu t'étais enfui de l'orphelinat? Qui vous a dit que je m'étais enfui? J'ai parlé aux officiers qui t'avaient ramené ici, Kevin. Et la dernière chose qu'ils ont vue, c'est le frère Lavine qui te disait d'attendre dans son bureau. Et le lendemain, on t'a emmené à l'hôpital. Est-ce que je peux m'en aller? Bien sûr, Kevin. Et surtout, ne t'en fais pas. Hein? Tout va s'arranger. Merci, Kevin. File maintenant. Directement en classe, Kevin, hein? Pas de détour. Si j'ai d'autres questions à te poser, je te ferai signe. Inspecteur, s'il se passe quelque chose qui concerne les enfants, je dois être mis au courant. Comme je vous l'ai dit, pour le moment, je ne fais que suivre une piste. Je ne peux rien dire de plus que ça. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Et que c'est fini maintenant. Je ne trouve pas tolérable que ce genre de choses ait lieu ici. Alors là, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas l'endroit pour des interrogatoires de police. Je vous assure, c'est ce que le flic il m'a dit. Ils iront tous en prison, mais ça, à condition que vous acceptiez de leur raconter tout ce qui se passe ici. Non, attends, Brian. T'as eu tort de dire non au flic, parce que Lavine va nous écharper quand il saura. Trouillard. Trouillard. Poule mouillée. Poule mouillée. Poule mouillée. Vous permettez que je jette un coup d'œil? Oui, oui. Merci. Kevin a eu la vie dure avant d'arriver à l'orphelinat. Il a été élevé dans des beuveries et des bagarres, et puis il y a eu l'incendie qui a totalement démoli le gamin. Il a vu ses parents brûler vifs devant lui. Le rapport du médecin qui a vu Kevin parle de mauvais traitements qu'on aurait infligés à l'enfant. Oui, je sais. Et qu'avez-vous l'intention de faire? Nous avons fait le nécessaire. Tout ce qui concerne l'orphelinat est transmis directement au directeur. Ce n'est pas le premier rapport de ce genre. C'est-à-dire mentionnant que des enfants avaient été battus? Battus et... On les envoie au directeur et on n'en entend plus jamais parler. Avez-vous reçu des rapports mentionnant des attouchements? Il y a eu des rumeurs. Écoutez, je suis spécialement chargée des enfants de l'orphelinat et je n'ai jamais eu le droit d'aller les voir. Le frère Lavine dit que ça pourrait troubler leur train-train. Ce Brian Lanny fait, semble-t-il, de fort graves allégations au frère Lavine. Avez-vous eu connaissance de quelque chose? Non. Je ne crois pas à un mot de tout ça, mais je pense qu'on ne doit y voir que des mensonges dictés par la rancœur. Si c'est vrai. Si c'est vrai.
Alors Glakin devra certainement en répondre, mais à mon avis, le jeune homme a, pour dissimuler quelques méfaits qu'il a commis, inventé cette histoire au sujet de son petit frère. Vous n'avez pas l'air de bien comprendre la gravité de la chose. Ceci est une copie de la déposition d'un témoin que la police municipale nous a fait la faveur de nous transmettre. Peter, vous rendez-vous compte de ce que représente une enquête policière ? Le bruit commence à se répandre, toutes sortes de rumeurs circulent en ville. Les gens me téléphonent. Maintenant, la police veut interroger d'autres garçons et pas seulement à l'orphelinat. Vous comprenez ? Je me charge de régler ça. Ça n'est pas suffisant, Peter. C'est Monseigneur qui va se charger de cette affaire en mon nom et vous en tiendra informé. Prenez une bonne nuit de repos, Peter. Je crois que vous allez en avoir besoin. Votre grâce. Peter, je vous en prie. Asseyez-vous un instant. Je voudrais vous lire quelques mots de la déposition de ce garçon. J'ai été plusieurs fois battu par le frère Glynn. Il tabasse beaucoup de garçons et il court après certains des plus jeunes. Je l'ai vu frotter les parties de Mike Spool. Frère Glakin, lui, il tripote mon petit frère Stevie. Tout le monde debout, tout le monde se lève. On descend au gymnase et plus vite que ça, debout. Hop, 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 debout. Allez, toi, debout, et toi, debout, vite. On descend au gymnase et on se dépêche un peu. Laissez vos pantoufles. Au gymnase, allez, et plus vite que ça. Il y a des rumeurs qui sont propagées en ville par certaines personnes. Quiconque ose répandre ces rumeurs-là est un traître à l'orphelinat, un traître à vous tous et un traître à Dieu. Toute chose qui se passe derrière les murs de cet orphelinat doit rester derrière les murs de cet orphelinat. C'est une règle sacrée entre toutes. C'est une règle plus sacrée que toute autre règle qu'il vous sera donné d'entendre. Comprenez-moi bien. Il y a des gens au dehors qui veulent voir fermer les portes de cet orphelinat. Et ces rumeurs sont un moyen pour y parvenir. Si ces atroces médisances devaient être crues par les démons extérieurs, plus personne ne ferait le moindre don à Saint-Vincent. Plus personne n'offrirait argent ou vêtements. Vous vous retrouveriez tôt ou tard à la rue, et comme vous n'auriez nulle part où aller, vous retourneriez dans le ruisseau. Si j'entends l'un de vous, ou si on me rapporte que l'un de vous répand ces mensonges diaboliques, ou parle à quelqu'un de l'extérieur, je peux vous garantir que par Dieu. Par Dieu. Il sera sévèrement châtié. Bien, Jimmy. Et le frère Glynn, est-ce qu'il t'a déjà touché ? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu dans mon dortoir et m'a mis sur ses genoux. Et il m'a fessé. Et ensuite ?
Ensuite, il m'a frotté partout avec ses mains. Et surtout sur mes fesses. Y a quoi d'autre? Parfois, il fait la même chose sur mes parties. Qu'est-ce qu'il fait sur tes parties? Ben, il les frotte. Qu'est-ce qu'il te fait d'autre? Des fois, il me prend avec lui dans son lit, et puis il me fait coucher sur lui, et puis il se met à me frotter sur ses parties. Il a fait ça souvent? Oui. Et le frère McLaverty? Non, pas lui. Ben, quelquefois, je me réveille en plein milieu de la nuit, et il est là. Il est au lit avec moi. Et il me frotte et il essaie. Enfin, vous savez? Il m'embrasse et puis il essaie de me l'enfoncer par derrière. Rien d'autre sur Glakine? C'est bien lui. Tu es sûr? Oui, monsieur. Il vient près de mon lit. Et il se penche sur moi. Je sais que c'est lui. Je vois bien sa figure. Des fois, il veut que je le regarde pendant qu'il le fait. Et le frère Glynn? Oui. Et le frère McLaverty? Non, pas le frère Mac. Et le frère Nicole? Oui, il a une canne. Il te bat avec sa canne? Oui, partout. Même sur le visage? Oui. Et frère White? Pas avec moi, mais avec d'autres. Et le frère Loomy? Non. Et le frère Lavin? Non. Tu n'as pas de raison d'avoir peur, tu sais. Parlez un peu des autres. Non, attendez un peu. Vous êtes d'accord que sur lui, j'ai pas dit de mal. Je l'ai jamais vu faire quelque chose. J'ai jamais ouvert la bouche à propos de frère Lavin. D'accord? C'est bien. Je comprends. On n'en parle plus, d'accord? Alors, parlons un peu du frère McLaverty. Je vais vous dire. Le frère Mac, y a pas mieux. Lui, frère Power et frère Kinlam, c'est les meilleurs. Ils ont toujours été vachement gentils. Alors toi, personne ne t'a jamais embêté. C'est vrai? Ni Glynn? Ni Glakine? C'est vrai, ils auraient trouvé à qui parler s'ils avaient essayé. Tu es bien sûr? Oui, je suis sûr. Je vous l'ai déjà dit. Je ne laisse pas faire, moi. Jamais vu ça de ma vie. Des preuves, Monsieur Orsi. Il me faut des preuves. Des preuves, j'ai assez de preuves pour les faire arrêter tout de suite. Non, attendez, attendez une seconde, Monsieur Orsi. C'est pas le genre d'affaire qu'il faut bâcler. Vous savez très bien à quoi on se heurte. Je veux que vous me fassiez un rapport complet. Mais je peux pas faire de rapport avant d'avoir terminé l'enquête. Je dois interroger tous les garçons de l'orphelinat. Je n'ai vu que ceux d'un ou deux dortoirs. Il y a d'autres dortoirs et d'autres frères qui s'en occupent. Et puis il y a le frère Lavin. Je suis convaincu qu'il terrorise les enfants. Quoi, je qu'est-ce que ça signifie? J'ai de quoi les arrêter. Je dois interroger. C'est une affaire délicate, Monsieur Orsi. Je ne veux pas qu'on puisse dire que la police cherche à crucifier les catholiques, comprenez-le. Vous êtes catholique, vous avez l'impression que je cherche à vous crucifier? Et ne faites pas le malin avec moi, ce soir-ci. Je n'ai plus rien à vous dire, si ce n'est de me faire un rapport sur ce que vous savez. Les juges et les services sociaux réclament ce rapport et je réclame ce rapport. Et dans l'intervalle, moi, je veux avoir copie des dépositions des témoins. Allons, ça suffit maintenant. Ça suffit, s'il vous plaît. Allez, couchez-vous et dites vos prières. Allez, allez, au lit.
Où est frère Glackin, frère Mac? Frère Glackin vient d'être relevé de ses fonctions. Et c'est moi qui le remplace pour le moment. Je peux vous assurer que c'est un excellent établissement. Ces hommes sont malades. Ils ont besoin de soins sur le plan médical et sur le plan spirituel. Ils ont reconnu qu'ils avaient trahi leurs vœux. C'est la première étape sur la voie, nous l'espérons, d'une complète guérison. Au revoir, messieurs, et merci beaucoup. Giancarlo, monseigneur. Je sais, c'est pas net. Ces gars relèvent d'un tribunal criminel. Oui, mais la subvention a déjà été annoncée. Je ne nous vois pas offrir $1 million à une bande de dépravés. Ils devraient être en prison, Ed. Ceci est ton permis officiel de sortie de l'orphelinat Saint-Vincent. Tu dois te présenter au bureau d'aide sociale qui se trouve sur Harvey Road. Je veux que tu aies quitté notre établissement avant la fin de la journée. J'avais l'intention de me barrer de toute façon. Mais j'irai pas dans votre foutu bureau d'aide sociale. Je vais trouver du boulot et je vais sortir mon frère de ce trou à rats. Tu ne trouveras rien à faire. Tu seras obligé de voler pour manger et tu finiras en prison. Ah ouais? Ben où que j'aille en tout cas. Je vais parler à tout le monde des sales vicieux que vous êtes et des saloperies que vous faites ici. Oh non, je ne crois pas. Non, il va falloir la boucler, Lenny. Il va falloir apprendre à fermer ta grande gueule. Ton petit frère a de nombreuses années encore à passer ici. Et si jamais j'apprends que tu as prononcé un seul mot, tu veux que je te fasse un dessin? Espèce d'ignoble salaud. J'ai drôlement hâte d'aller à Toronto. Ouais, bah t'excites pas trop, mon vieux. C'est pas pour tout de suite, tu sais. Oui, je sais, mais ça finira par arriver. Et comment? Je vais quand même pas te laisser pourrir ici. Pas question. Dès que les choses s'arrangent pour moi, tu me rejoins. Tu risques rien. Les laisse pas s'approcher de toi, c'est tout. Je vais me débrouiller, va. Je file mon pied dans les couilles du premier qui s'approche. Je sais comment on y prend. Ouais, t'es costaud, style. Combien de fric t'as? Je sais pas, mais ça ira. Tiens, va falloir bouffer, ça va être un long voyage. T'es fou, elle est en chat. Écoute, je sais où en trouver encore autant. Sois prudent. Bon, allons-y. Le discours est terminé et vous avez pris vos places au fond de la salle. Je serai, quant à moi, devant. Un petit peu sur le côté, là. D'accord? Surtout, n'oubliez pas que vous tenez un chèque $1 million. Alors, tenez-le fièrement. C'est ça. Et regardez-moi bien. Prêt? Ah! Lentement! Lentement! C'est ça. Il faut que tout le monde puisse le voir. Très bien. Et vous avancez. Et vous montez sur la scène, c'est ça? Attention à la marche. Parfait. Maintenant, vous vous retournez. Voilà, pour qu'on vous voie bien. C'est ça, c'est ça. Excusez-moi. Oui, frère Lavigne? Un petit détail supplémentaire, un cadeau qu'on remettra au Premier ministre. Oh, mais en voilà une jolie idée. Bien, 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 très bien. Bon, alors voyons, il va falloir un garçon pour s'avancer et remettre le cadeau. Moi, frère Mac. Pourquoi pas Kevin? C'est une excellente idée. Alors, Kevin, frère Lavigne, voulez-vous prendre la place du ministre? Non, avec joie. Bon, alors mettez-vous là. Avancez un petit peu, voilà. Voilà, c'est parfait. Maintenant, Kevin, tu passes devant, tu tiens dans les mains le cadeau du Premier ministre, tu t'avances, et tu lui présentes le cadeau. Voilà. Maintenant, le Premier ministre serre la main de Kevin. Kevin, donne ta main. Kevin? Et voilà, oui. Ah, ben, ça ferait une très jolie photo. Maintenant, tu retournes à ta place. D'accord, vous voulez... tenez, ramenez Kevin à sa place, voilà.
Vous avancerez bien jusqu'au bord de la Seine, hein? Arrêtez-vous là, très bien. L'archevêque se lèvera et vous avancerez pour lui présenter le chèque $1 million. D'accord? Il se peut qu'il veuille vous poser quelques questions sur votre catéchisme. Ellie, qui est Dieu? Le Créateur et le Seigneur Tout-Puissant du ciel et de la terre et de toutes choses. Et Mike, qu'est-ce que le ciel? Le royaume de la gloire de Dieu et de ses anges et de ses saints. C'est parfait. Ensuite, vous remontez vers le fond, voilà. Voilà. Arrêtez-vous là, très bien. Très bien. Bon, maintenant avancez. Avancez un petit peu encore. Très bien. Qui va recommencer à m'embêter. Qui? Frère Lavigne. Tu veux m'en parler? Qu'est-ce que t'as dit? Tu as dit quelque chose? Je lui ai dit qu'il n'était pas ma mère. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quelque chose? Il m'a pris et il m'a jeté contre le mur. Il t'a frappé? Il t'a frappé avec ses mains? Avec sa ceinture. Quelle partie de sa ceinture? La boucle. Est-ce que frère Lavigne a fait la même chose avec d'autres enfants, à ton avis? Non. Il dit que c'est moi, son petit. Ça fait longtemps que ça dure, ce genre de choses? Tu te rappelles la première fois que c'est arrivé? Retourner à l'orphelinat? Oui, j'en ai bien peur. Tu sais, quand tes parents sont morts, le tribunal t'a confié à la garde des frères. Mais tu n'as plus rien à craindre. Nous allons mettre un terme à tout ça, je te le promets. Je ne peux pas te rendre ta famille, mais fais-moi confiance. Tout ça, c'est fini. Tu as ma parole. D'accord. Vous allez revenir me voir, c'est vrai? Je te l'ai promis, non? Allez, va. Oui? Oui, le voilà, justement. Mais je vous appellerai, merci. Au revoir. Écoutez, je ne sais pas encore tout ce qui s'est passé ici. Mais je le saurai, croyez-le bien. Je veux que vous compreniez bien que vous et chacun de vos collègues êtes l'objet d'une enquête policière qui porte sur des crimes extrêmement graves. Oui, par exemple. Conduite indécente, violence sexuelle,
attentat à la pudeur. On commence par là. Ce sont vos absurdités qui sont graves. Vous allez m'écouter! J'ai moi-même ramené le jeune garçon ici pour m'assurer qu'il ne lui arrive rien. C'est terminé. Le petit est dorénavant sous ma protection personnelle. Vous n'avez pas à venir ici me menacer, monsieur. Vous n'y êtes pas autorisé, vous le savez et je le sais. Alors si vous voulez bien nous débarrasser au plus vite de votre présence, nous ferons de notre mieux pour réparer les dommages que vous et vos sbires avez causés. Sans blague. Oui, sans blague. Mais laissez-moi vous dire une petite chose. J'ai un peu de paperasserie à remplir et après je reviendrai muni des autorisations nécessaires. On se reverra, Lavin. Et si vous touchez à cet enfant avant mon retour, je vous égorgerai de mes propres mains. Ah, Joseph. Joseph. Et son bâton. Son bâton. Vous avez vu Kevin? Non, frère Lavin. Moi non plus. Sale petit menteur. Vous n'entrerez pas au royaume de Dieu. Vous m'entendez? Votre châtiment sera éternel! Poussez-vous, poussez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Bon, viens ici, mon petit. Lâchez-le. Viens ici. Viens ici, lâchez-le. Remonte au dortoir, Kevin. Va vite. Allez, mes enfants. Vous êtes un être mauvais, Peter. Un malade et la honte de notre ordre. Par l'autorité que me confère ma qualité de supérieur... Ah non, ne me parlez pas de votre autorité. Vous n'avez plus le droit de vous occuper de ces enfants. Jamais. Les enfants, vous êtes prêts? On joue. Allez vite. Allez vite, 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 vite. On joue. Allons-y, Kevin. D'accord, mais alors moi, je suis au centre. Et moi, je joue. Attention, mais t'es grosse, faites attention. Aïe, la passe. Allez vite, attention. Attention. On va marquer. Allez, d'accord, ça fait mal. Allez, Paul, on va marquer. On va marquer. Giancarlo, bonjour. Je suis heureux de vous revoir. Comment allez-vous?
Ne me passez aucun appel, Marie, je vous prie. Et vous attends ici. Il m'apportera des trucs. Bonjour, je suis le frère David. Je vais être votre nouveau supérieur. Le frère Bilton et le frère Graham vont remplacer au dortoir les frères Glakin et Glynn, qui ont été transférés. Cet établissement s'est trouvé en grand péril. Et ma mission sera de redresser la réputation de Saint-Vincent. Et je peux vous assurer tous que je vais m'y consacrer. Il n'y aura plus désormais de visite de la police. Il est temps de mettre le passé derrière nous. C'est votre foyer. Et il devra être traité avec le respect auquel son histoire lui donne droit. Messieurs, dans mon bureau, je vous prie. Allons, finissez de manger. On n'a pas toute la journée. Il m'a fait mettre son zizi dans ma bouche. Vous allez me réécrire cet amas de pornographie. Il n'est pas question que j'envoie ces choses. Vous supprimerez toute référence à des questions sexuelles, c'est bien clair. Écoutez, je n'ai pas inventé tout ça, chef. Ce sont des dépositions qui m'ont été faites sous serment. Vous avez des ordres et j'ai des ordres. L'affaire est classée. Oh non, c'est pas vrai. Ça arrive tout droit du ministère de la Justice. Il n'y aura pas d'arrestation. Apparemment, les frères impliqués vont partir se faire soigner quelque part. Que faites-vous des petits? Ma soeur-ci, je tiens à classer un bon rapport bien propre, et vous allez m'écrire ce rapport. Ou je vous envoie dans la rue à la circulation. Est-ce que c'est clair? J'ai assuré un gosse que jamais plus on ne le tripoterait. Et qu'est-ce que je dois lui dire maintenant? Que notre sainte mère l'église et une bande d'ignobles politicards n'en ont rien à foutre de sa vie. Et les autres frères qu'on n'a pas encore coincés, parce que vous arrêtez cette enquête au moment où elle devient intéressante. Vous êtes à ça de vous faire inculper d'insubordination, monsieur Nosworthy. Et ça vaut pour vous tous. Si j'entends un mot de plus sur cette affaire, je fais traduire le responsable devant le tribunal. Nous avons tous des cicatrices laissées par une chose ou une autre. Je ne peux que prier pour que les nôtres soient moins visibles que celles des autres. Mais ça ne les effacera pas. Et votre compréhension de notre problème est... Enfin, je veux dire que je vous suis infiniment, infiniment reconnaissant. Assez parlé. Je vous sers à nouveau.
vais dormir maintenant, frère Graham. Oui, tu vas dormir maintenant, Steven. Non, ne faites pas ça. Je n'aime pas ça. Chut, tu vas dormir maintenant. Monsieur le Premier ministre, Kevin a l'honneur de vous présenter bonjour l'humble offrande des garçons de Saint-Vincent. Merci. John Lavin a été arrêté aujourd'hui. Il est inculpé de sévices corporels et sexuels, délits qui auraient été commis sur la personne de jeunes garçons de l'orphelinat il y a 15 ans. Tu m'avais jamais parlé de l'orphelinat. Kevin Rivet était un petit garçon perdu dont j'ai voulu devenir l'ami parce que j'avais bon cœur. C'est drôle, y a de quoi rigoler. Ça tronche, ça te dévore, Kevin, y a qu'à te boire. Tu te réveilles au milieu de la nuit. T'as peur quand tu fais l'amour avec moi. Tu ne peux pas comprendre ce que tout ça signifie. Excel A3, un résultat.